Bonjour à vous tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc je vais vous montrer comment faire pour réparer un cliquet qui ne marche plus. Vous voyez, il ne se passe plus rien. Vous avez beau le tourner, ça reste bloqué, c'est simple. Vous prenez une clé Allen, BTN ou CHC comme vous voulez, vous dévissez. Voilà. Il suffit de retirer ça. Tac, et dedans. Vous avez ça avec un petit ressort. Il suffit simplement de le nettoyer. On va le graisser, on va mettre un peu d'huile, un peu de dégrippant dessus. Voilà. Il suffit de le remettre en place. Donc ce qu'il y a avec le crochet, moi le truc en ferraille vers le haut. Voilà. Donc voilà, c'est simple. Ben, c'est simple. Vous tenez votre... Ça, vous mettez lui. Comme ça. L'engrenage extérieur. Ce petit pic dans le trou de la pièce rapportée. Puis je vois rien, c'est génial. Hop, lunettes, c'est mieux. Voilà. On va faire ça comme ça. Ensuite, ces deux pics. Il ne faut pas y aller dedans. Il n'y a pas envie. Voilà. Ça donne ça. Donc là, vous voyez le plat. Le pic. Ici. Il faut que le petit picot, il rentre dedans. Et quand vous allez le pousser, c'est-à-dire qu'en gros, il va se... Vous avez vu? Il faut que le pic s'éloigne par là. C'est-à-dire que lui, il va falloir qu'il rentre dans le trou comme ça. Vous avez vu comment il est? En poussant vers l'avant, il faudra qu'il soit dedans. Voilà, tout simplement. Vous le regressez un petit peu, hein, puis ça va le faire. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, il faut forcément remettre cette partie-là. Voilà. Lui, on le centre. Faites très attention que ça ne saute pas. Lui vers l'avant. Légèrement en retrait. Et voilà. Et on le pousse vers l'avant. Ensuite, on remet la vis. Et puis il n'y a plus qu'à serrer. Des fois, c'est juste le petit ressort là qui se met en travers. Il ne faut pas trop serrer non plus, parce qu'après vous ne pourrez pas tourner votre molette. Voilà. On revient un petit peu en arrière, voilà. Voilà, change de sens. C'est bon, c'est réparé. Donc en espérant que ce petit tuto vous aidera si ça vous arrive, ce genre de problème. Donc voilà, c'est réparé. Donc il suffit juste de remettre un peu de graisse quand c'est rouillé, ben de, un coup de dégrippant. Vous remettez le ressort, vous remettez bien cette partie-là dedans, et vous revissez, et puis c'est reparti pour un tour. Donc il n'est pas mort. Bon, en espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!